Alors l'incontinence fécale, qui est là aussi un problème de santé publique qui est très faiblement abordé, est une pathologie extrêmement gênante qui peut être améliorée par la prise de médicaments, médicaments qui vont jouer sur le fonctionnement, la motricité de l'intestin pour essayer de ralentir ce que l'on appelle le transit, de durcir un peu les selles, parce que souvent les patientes souffrent de cette incontinence lorsque les selles sont un peu liquides. Donc on va utiliser en fin de compte un dérivatif. Nous n'avons pas de médicaments pour améliorer le tonus du sphincter anal, mais en revanche, on est capable de modifier la consistance des selles et donc d'essayer de limiter les épisodes de fuite en rendant les selles un petit peu plus solides et donc avec moins de risque d'avoir de fuite.